Namasté les amis. Aujourd'hui, 61e jour de l'aventure, c'est ça, 61e. Je viens juste de prendre un petit café à côté de l'hôtel. Je viens de libérer ma chambre, j'ai laissé mes sacs en bas. Et je vais retrouver Greg et Queen, on va aller prendre un petit déjeuner ensemble vite fait. Et ensuite, direction Nagarkot. On va voir comment on y va, apparemment il faut prendre deux bus pour y aller. On va essayer de regarder ça, voilà. Ah oui, bon ça y est les amis, on vient de partir, on a pris notre temps ce matin, on a fait un bon petit déjeuner. Donc comme je vous l'expliquais, il y a deux bus pour aller à Nagarkot, enfin, il faut prendre deux bus. Donc là on a pris le premier bus jusqu'à Bhaktapur, je sais pas où le bus va nous lâcher. Avec un peu de chance, ça sera au même endroit, on pourra peut-être retrouver au même endroit un bus pour Nagarkot, mais j'y crois bien. Je pense qu'il faudra qu'on change de gare routière. Voilà, donc là il n'y en a pas pour très longtemps, normalement je pense une demi-heure, 40 minutes pour aller jusqu'à Bhaktapur. Et puis ensuite de Bhaktapur jusqu'à Nagarkot. Voilà, c'est parti les amis. Bon, ça y est les amis, je sais pas si vous entendez bien, on est dans le deuxième bus pour Nagarkot. Normalement, enfin, il y a très peu de kilomètres, mais bon, mon voisin vient de me dire qu'il y en avait pour une heure. De toute façon, on n'est plus à ça près maintenant, hein. Une heure de route, c'est rien pour nous. Donc, direction de Nagarkot. On va essayer de se trouver une petite guest tranquille ce soir. Ah, mes amis sont toujours là, Queen arrive quand même. Hello, hello guys. Bon, les amis, allez, on se retrouve à Nagarkot. Bon, les amis, nous sommes bien arrivés à Nagarkot. On n'est toujours pas à l'hôtel. Aujourd'hui, on prend tout notre temps hein, pour petit déjeuner, le bus, on a mis trois plombs pour venir à Nagarkot. Et puis, bah, comme moi j'avais un peu faim, et Queen aussi, moi je me suis pris le traditionnel d'Albat. Queen, elle a pris du soukouti, on ne sait pas trop ce que c'est en fait la viande, parce que déjà elle n'est pas très sèche. Should be more dry. Mm. But I think it's beef, not yeah, beef. Hein. Voilà les amis, puis on a repéré un petit hôtel qui est pas très très loin, là, c'est à 700 mètres d'ici, on va aller voir comment c'est. On vient de trouver enfin notre hôtel. On est au Sherpa Cottage Hotel, je crois que c'est ça. Sherpa Cottage Hotel. C'est mignon comme tout. Alors c'est des petits bungalows. Vous voyez, ça c'est mon bungalow. Ici c'est Queen et Greg qui ont pris une double. On dirait des petites maisons de poupées à l'intérieur et tout. Regardez la vue. Bon, là c'est fin d'après-midi, c'est un peu voilé. Mais je pense qu'il y aura une vue très très sympa. Enfin là, la vue est déjà vraiment très sympa. Voilà. Je vous fais faire le petit tour de ma chambre, vite fait. Voilà. Avec la vue, messieurs, dames. Voilà, et j'ai même un petit balcon, regardez. Voilà, petit balcon avec la vue de malade. Et puis apparemment, j'ai une salle de bain qui est en bas. Je sais pas, je suis même pas allé voir. Bon, ça a l'air très très sympa, c'est mignon comme tout. Voilà, bon, je sais pas, il doit être 4h ou 5h déjà, là, donc maintenant, on va glander tranquillement. Moi, je vais prendre une douche, et puis on va se poser là-haut. Il y a un petit jardin, terrasse, là, avec des petites tables, c'est trop trop chouette. Donc voilà, maintenant, c'est détente totale. Bon, c'est le paradis ici, les amis. On s'est trouvé un petit coin bien tranquille avec un beau petit jardin, regardez. On est quand même pas mal, là, ici. Hein. Petite table et tout, petit thé, petit goûter. Face à ce magnifique paysage, je pense que demain matin, le petit déjeuner là, sur le jardin, ça risque d'être royal. Vraiment super chouette, les petits bungalows et tout là. Très calme. Rudimentaire, très calme, tout ce qu'il faut. Thank you.
et messieurs, on vous retrouve en direct de Nagarkot. Il y a quasiment la moitié du village qui est en train de dormir, je dirais même les trois quarts. On a réussi à trouver un petit boui-boui quand même qui était ouvert. Alors, petite touque pas pour moi. Moi, j'ai mangé un gros dalbat de porc cet après-midi, mais je vais encore manger un petit peu. Petite assiette de momo pour mes amis. Voilà, petite soirée tranquille à Nagarkot. Je pense qu'on va pas se coucher tard. De toute façon, il n'y a pas une grande activité nocturne ici. Et demain matin, on veut se réveiller pour aller voir le sunrise, lever de soleil. Donc voilà, ça risque d'être un réveil assez tôt. Et là, ça caille, hein. La température, ça change de Katmandou. Voilà, petite fin de soirée tranquille. Et puis, on va se retrouver demain matin. Je vous ferai un petit coucou dans la chambre tout à l'heure. Voilà. Petite fin de soirée tranquille, on a fini notre petit dîner là. Bon, et, ouais, il est encore pas très tard, il est 9h, mais tout le village est couché. Ça caille pas mal ici. On est à 2200 mètres d'altitude là, à Nagarkot. Demain matin, on se réveille tôt. Hein. Il faut qu'on soit prêt, enfin, on vient de décider là, d'être prêt demain matin à 6h30. On voudrait voir le lever de soleil, apparemment il y a un viewpoint, un point de vue, qui est pas très très loin d'ici là, 5-10 minutes de marche. On va s'installer sous la bonne petite couette, là, tranquillement. Voilà, j'ai mon petit bout de salle de bain qui est en bas. Bah voilà, les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. Cette fois à Nagarkot, non pas à Katmandou. Et puis, voilà, bah écoutez, bonne soirée et ciao.